Bonjour à tous, c'est Sniper. Allez, aujourd'hui je vous présente les courses choisies en Mondi numéro 73. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de réagir par rapport à ma dernière vidéo que j'avais mis en ligne sur les explications pour jouer en Mondi online. Donc je tiens à préciser que ce n'était en rien un tuto. Si j'avais voulu faire un tuto pour jouer, pour expliquer comment jouer online, j'aurais fait quelque chose de beaucoup plus complet et beaucoup plus précis. Je voulais tout simplement aider certaines personnes qui me demandaient comment faire pour jouer en Mondi maintenant, vu que les serveurs de Nintendo n'existent plus. Donc en fait voilà, c'était juste, je voulais juste donner une solution qui existait, celle que j'utilise moi avec les CTGP, qui a un double avantage, c'est-à-dire qu'en plus de pouvoir jouer online, vous avez en même temps le mode des CTGP et pas mal d'autres petites options. Alors c'est vrai qu'il existe aussi le patch Wimfy qui est quand même un peu plus simple, mais qui n'a pas tous les avantages de la chaîne des CTGP. Et franchement, pour ceux qui ont dû peut-être tester, vous aurez pu pourrez vous apercevoir que c'est pas si compliqué que ça, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Allez, voilà, donc une petite course avec un beau petit Mondi. Donc je vous en avais parlé dans les courses choisies numéro 72 de cette petite session que j'ai fait, qui était quand même très très sympa et que je voulais absolument vous montrer. Donc il y a pas mal de courses et vous allez voir une vidéo d'environ une trentaine de minutes pratiquement, c'est un petit peu long. Donc dans le cas où ça soit un petit peu long pour vous à visionner, ben, n'hésitez pas à le regarder en plusieurs fois. En deux fois ou trois fois, même si vous voulez. Voilà, donc une petite course vous avez eu sur N64 Autodrome Mario, avec, vous pouvez voir quand même, une salle assez correcte. Présence aussi dans ce Mondi de Storm, qui est un joueur français. Ne me demandez pas plus de renseignements sur lui, je me rappelle plus trop, je le connais comme si, comme ça, de nom, plus que tu vois, j'ai jamais vraiment communiqué avec. Mais en tout cas, c'est un joueur qui se débrouille très très bien, et qui a un bon level, et qui a l'habitude des mondis assez relevés. Alors, petit jungle maintenant. Des salles qui étaient quand même bien remplies, hein, il me semble qu'on était pratiquement presque 12 tout le long. Et je vous ai sélectionné donc quelques courses assez sympa. Alors cette rouge que j'envoie en avant, c'était une erreur parce que j'avais envie de jouer poli avec Storm, donc c'était pas volontaire du tout, je voulais la backspammer. Et voilà, donc dans le cas où Storm regarde la vidéo, je tiens à ce qu'il le sache. Allez, deuxième tour maintenant. Je vous dis, un bon petit level, les joueurs jouent pas mal. Alors, Storm, malgré tout, s'est fait avoir avec son zap, puisqu'il s'est fait rétrécir. On voit qu'il ragrandit seulement maintenant. Et puis, le zap, maintenant, est pour moi. Alors, comme je vous ai dit, hein, je vais pas chercher à lui refiler, tant pis. Je vais essayer d'avancer le plus possible en attendant. Vous allez voir quand même que dans ce Mondi, ça joue de manière assez agressive, hein. Puisque regardez ce Rico que vous allez voir dans pas mal de courses, et que vous avez même vu, je crois, dans les courses choisies 72, qui a un jeu quand même assez agressif et qui fait pas de cadeaux. Donc c'est pour ça que quand je peux, je lui en fais pas non plus. Allez, heureusement que j'étais, on va dire, rétréci encore par mon zap ou le choc, je sais plus s'il y a eu le choc dans la foulée, pour pouvoir passer sur le pont là, qui était quand même bien chargé avec des items. Alors, regardez ce joueur désir, regardez ce lag, parce que il se prend cette verte random, et moi j'étais obligé de me prendre la barrière pour l'éviter, j'avais pas envie de me faire avoir avec son build. Et dernier tour, alors ça c'est très intéressant pour moi d'avoir cet item là, et regardez ça, c'est vraiment vraiment pas de chance, parce que à une fraction de seconde près, j'aurais pu vraiment dodger le choc, et avec une deuxième étoile en réserve, c'était presque une victoire assurée.
Quoi qu'il en soit, je ne prends pas d'item et je me retrouve avec juste un champi. Et encore un big fail de ma part. Vraiment, ce cut, il faut que je le retravaille. C'est vrai qu'on a tendance à faire en time trial N64 Jungle avec Daisy Motomike qui est quand même prend des virages beaucoup plus serrés. Donc c'était vraiment mal joué de ma part, un mauvais cut et qui me fait perdre au moins minimum 2 places. Alors allez, un début de tour sans item, oui, à chaque fois je me suis fait piéger, à chaque fois je pensais que les joueurs allaient prendre certains items et puis finalement ils prenaient ceux que je visais et donc je me retrouve au début avec rien du tout. Alors ce genre de map hein, où il faut vraiment jouer l'item hein, quand même. En essayant quand même malgré tout de laisser une certaine de pas laisser non plus les joueurs trop partir. Allez, j'attends encore un petit peu, là c'est le bon moment pour et pour faire un dodge qui. Et puis ça paye, vous avez vu. Vraiment nickel. Alors là je vais encore activer ma deuxième étoile puisque j'aurais pu attendre encore un petit peu. Mais je veux surtout rattraper les joueurs qui sont en tête là. Et j'ai recollé au peloton, on a quand même pas mal d'avance. Je me méfie des backspams, hein. Je sais pas comment ces joueurs jouent, s'ils vont jouer comment dire correct ou pas. Et allez la bleue que j'arrive à éviter, mais en évitant la bleue, regardez, je viens me prendre les tuyaux. Ça, c'était vraiment dommage. Et Storm qui essaye de me sniper avec des verres. Donc finalement, il me dit de pas jouer trop sympa avec moi. Donc j'ai pas hésité à essayer de le backspam, ça n'a pas marché. Mais en attendant, j'ai fait quand même une belle petite opération en faisant une deuxième place qui est quand même correcte. Alors je crois qu'il va y avoir deux courses sur N64 Château de Bowser. Et puis aussi deux Ruines Sec-Sec, enfin vous verrez bien. Dans ces mondes, j'ai décidé de jouer avec Harmony, que vous pouvez voir en texture, qui est quand même très sympa, hein, qu'on appelle Nect Harmony. Je la trouve quand même vachement plus fun comme ça. En plus, sans l'étoile, c'est génial. C'est un personnage que j'aime bien dans ce style. Voilà, beaucoup plus que dans son style normal, on va dire. Et c'est sympa. Alors, de temps en temps, je la prends. De temps en temps, je prends aussi Daisy Motomac, un peu Bowser, Funky. Enfin, j'ai fait pas mal de petits changements dernièrement. Alors, une course qui quand même démarre pas mal, puisque je suis en tête. J'ai quand même pas mal d'avance. Le joueur qui est en Mario en deuxième était quand même un peu chelou, parce que je trouvais qu'il allait quand même vraiment vite. Surtout en Mario, donc c'était un peu bizarre, mais bon, j'ai pas grand chose non plus de très concret à dire. Vu le nom en plus, Takeru, ça a l'air d'être quand même peut-être un Jap. Alors pourquoi pas, en général, les Japs quand même ont souvent des bons levels, c'est peut-être tout simplement un très bon joueur, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était bizarre. Comme il allait vite avec en plus, je vous dis, juste en Mario Motomac. Ben, vous avez vu qu'il s'est pas gêné pour me faire un petit snipe à la verte malgré que je m'étais pris une bleue. Donc, je vous dis, des mondes agressifs, pas de cadeau. Donc ça, c'était pas évident, il faut aller le savoir tout simplement et puis essayer de gérer. Alors, 7ème position, 6ème maintenant, il me faudrait quand même un bon item. Là, c'est important de prendre quelque chose de sympa. 3 champis, c'est pas l'idéal, mais bon, dans ces positions, c'est mieux que qu'un zap comme peut avoir eu Storm là. Qui m'attend d'ailleurs pour me leur filer, et heureusement que j'ai ce petit champi. Allez, Takeru qui est devant. Je me fais un petit peu avoir. J'essaye de lui envoyer cette rouge là, qui peut-être va le toucher, mais non. Regardez le retard qu'il a sur le Funky au niveau de la map. Et vous allez voir que il va arriver à le gratter parce que c'est lui qui se prend la bleue. Donc je pense qu'il était quand même un petit peu louche. Mais enfin bon, je vais pas faire non plus toute la vidéo là-dessus.
Moi j'ai une quatrième position là, c'est pas mal. On va essayer de voir. Alors j'ai pas compris là, vous avez vu, je finis en troisième position. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Est-ce que le joueur qui a fini quatrième, est-ce que c'est lui qui s'est pris la bleue au dernier moment? J'ai pas trop vu. Enfin voilà. Allez, je loupe encore les items. Ça, c'est ma strat habituelle sur cette map, hein. J'aime bien avoir un très bon item au départ. Alors, bon, j'ai un peu loupé mon coup pour démarrer. Mais j'aime bien pour pouvoir après prendre un item et faire du front run en faisant le cut dès le départ. Vous allez voir cette course quand même qui était assez agressive encore, hein. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de courses où il se passe quand même pas mal de choses. J'avais vraiment envie de vous faire partager ça parce que c'était vraiment un monde dans lequel je me suis mais régalé. Allez, Takeru qui est encore premier, qui est parti devant. Alors regardez, je crois qu'il y a une bleue qui est partie. Ça fait bien mes affaires, ça me permet de repasser en tête grâce à cette étoile. Le choc avec deux joueurs qui dodge, Storm et 500. Donc bien joué à eux d'avoir mindé le choc comme on dit. Hein, et je vais quand même poser un peu des pièges et essayer de pas trop fail. Alors une petite bleue, c'est pour 500. Et puis regardez le lag, hein, parce qu'il s'est pris en plus mes bananes que j'avais aux fesses. Alors que vous avez vu que chez moi, hein, je passe quand même assez loin de lui. Hein. Vraiment, j'étais assez loin. Alors là, petite chose que je m'attendais absolument pas. Voilà. Et en fait, j'ai cru sur le moment que c'était Storm qui me l'avait posé, ce fake. Et en fait, non. Maintenant que je revisionne cette course, il s'avère que le fake y était déjà. Et que Storm a tout simplement sauté pour... tout simplement sauté pour l'éviter. Mais moi, par contre, je l'ai pas évité. Donc j'ai un peu moins bien joué que lui, mais sur le moment, au moment de la course, je croyais vraiment que c'était lui qui m'avait posé le fake, ce qui me semblait un peu bizarre, puisqu'il avait l'air de jouer quand même relativement propre. Donc ben voilà, comme quoi de revoir un peu des fois des courses, ben on en sait un petit peu plus. Allez, quatrième, je me fais gratter par Storm justement, juste à la ligne. Alors là, je crois que c'est une autre session, oui, bien sûr, puisque je joue en Bowser squelette. Une autre session qui n'était pas des moindres non plus, parce que ça jouait bien, ça jouait pareil, assez agressif. Et je crois qu'il y avait encore Storm qui était dans ce monde-là. Il me semble qu'il y a dû avoir une déco, enfin, je ne me rappelle plus très bien. Pour quelle raison je suis là, mais il me semble que Storm est encore dans ce monde, je ne suis pas sûr. Allez, un petit fail du joueur qui était devant, qui a pas dodgé le pot tout simplement parce qu'il pensait l'avoir peut-être dodgé en sautant, ou alors qui a perdu du temps en voulant poser le fake juste avant, et du coup il loupe son pot. Et là par contre c'est pas de pot, c'est le cas de dire pour moi, puisque je n'avais obtenu qu'un fake et je n'avais absolument rien pour me protéger par rapport à cette rouge qu'on m'envoyait, ce qui est bien dommage. Et comme vous pouvez le voir, j'ai toujours un run aussi catastrophique. 3 champis, ça c'est pas le Pérou, franchement, quoique tout dépend des positions. Alors, le joueur devant là, c'est un petit peu fail. J'étais obligé de gratter tout de suite un champi quand même pour pouvoir éviter de me faire piéger. Maintenant, il me faut absolument un item. Quatrième position, une bombe cinquième. Il y a les joueurs qui cut, hein, beaucoup. Je loupe complètement mon snipe. Mais heureusement, je récupère les petits champis qu'il y avait au sol, qu'un des joueurs a perdu. Allez, RPG là qui joue. ARG, pardon. Qui joue quand même pas mal. Ça pousse beaucoup. Hein, je suis obligé de faire attention, de pas me faire. Comme on voit pas au tapis. Là par contre, c'est vraiment sympa. Trois champis, mais je me méfie beaucoup du joueur là quand même qui était devant moi avec des rouges. Alors il faut absolument que j'arrive à éviter ça.
Et heureusement pour moi, j'évite. Mais je suis un petit peu trop monté quand j'ai fait mon cut. Alors chez moi, je suis troisième vraiment. Là, vraiment, faire quatrième, c'était vraiment du lag. Je veux bien perdre une place parce que je me suis fait griller au départ. Mais deux places là, ça me paraissait quand même bien improbable. C'est ce qui arrive dans le mode online, hein, pour ceux qui vont à nouveau jouer. Ah, encore une fois, je me trompe de côté. Oui, c'est ce qui arrive dans les modes online, hein. Beaucoup de lag, très souvent, on vous donne l'impression d'avoir une certaine position, puis finalement, bah non, vous avez une autre place. Allez, Mercure devant, ça c'est session avec Mercure que j'avais fait un petit peu le matin. Il y avait aussi Dead CFT, un très bon joueur. Alors le niveau là est quand même beaucoup moins relevé que la session que vous avez vue, que les sessions que vous avez vues avant. C'est beaucoup moins relevé, mais c'était pas pour ça que c'était pas sympa. C'était des mondes bien cool. Allez, je rattrape Dead CFT qui a quand même un bon run, hein, qui joue pas mal. Donc, même pour dire, normalement, il est quand même supérieur à moi au niveau du run. Donc, je vais avoir un petit peu de mal. Ah, j'ai bien failli me fail encore. Faut que je retrouve un peu hein, mes repères, que je refasse un peu de time trial. Alors, le pot, ça c'est vraiment dommage puisque j'avais un champi. Et voilà, ça va me permettre quand même de reprendre la tête sur Dead CFT. Je suis en tête, mais il est pas loin. Heureusement, ce petit choc là, c'est parce qu'il avait trois vertes et à n'en pas douter, j'aurais bien pu me faire avoir par un petit snipe. Je surveille quand même mes arrières, de faire attention à ce qu'ils me prennent pas la spi. À n'en pas douter, il va réussir, hein, il y a de fortes chances. Je pose rien pour l'instant, je prends pas trop de risques, j'essaye de faire un run tout simple. Il est pas loin, hein, regardez, hein, il est sur le point vraiment de m'avoir. Là, je suis arrivé vraiment au mauvais endroit pour prendre le boost et il va quand même réussir à m'avoir et à passer devant. Donc GG à lui. Allez, maintenant un petit peu course en Daisy. Je crois que il restera deux courses après celle-ci que je vous montre. Un petit snipe pour rigoler. Chicochi qui était là. Désolé pour Chicochi. C'est le début de course, c'est pas trop méchant, même si on se fait des crasses au début. En général, après, j'essaye de pas trop en faire. Mais dans les débuts de course, premier tour, c'est sympa. Allez, je dodge pas le pot qui tombe vraiment au plus mauvais endroit pour moi, parce que malgré que j'ai une banane, vous avez vu, cette rouge a pris le cut et m'a pris sur le côté, donc de toute façon ma banane n'aurait servi à rien. Allez, on va éviter Kyle qui arrive en bille, MKW Sonic devant. Alors, je crois que ce jour-là, j'étais en call avec MKW Sonic. Qui se prend un zap. Alors j'envoie mon champi hein, parce que très souvent avec le lag je me fais avoir et je me fais toucher en pensant être loin devant. Et finalement vous avez vu que j'ai bien fait d'activer mon deuxième champi puisque sinon je l'aurais perdu puisqu'il y a eu le choc juste après. Allez, les joueurs sont agrandis avant moi et regardez, je sais pas si c'est un snipe à la bombe mais il me semble car on n'a pas entendu le bruit de la bleue, du lancement de la bleue. Et franchement, ça rouge dans tous les sens. Bizarrement, hein, à chaque fois que ça rouge, quand on me rouge, j'ai toujours un fake pour me protéger, ce qui est commode. Hein. On le sait, hein, c'est bien pratique. Je backspam énormément, d'ailleurs j'ai touché. Allez, c'est un petit peu plus facile pour faire les cuts avec Daisy quand même. Là, je crois que je vais pas le faire, hein, il me semble pas. Je l'ai fait au premier tour, là, j'étais pas parti pour le faire. J'ai envie de poser des bananes pour un petit peu embêter ceux qui vont le faire. Et Kyle qui arrive en doré, apparemment. Il y a la bleue qui est partie.
Le joueur était quand même pas mal devant, hein, et ça devrait pas trop le retarder, j'en sais rien. Mais ah bah d'ailleurs c'était ce joueur ou cette joueuse Miko qui s'est pris la bleue et qui est en troisième position. Alors on va essayer de rester vigilant quand même. Bah oui, il y a des bananes de partout. Un petit snipe à la verte là. Allez, le cut, ça c'est sympa. Faut rester vigilant quand même, hein. Vous avez vu, les joueurs me rattrapent vite, hein. Encore une petite bleue, là cette fois, j'ai pas vu qui c'était, qui se l'est pris. Oh, alors ça c'est bien, ça va me permettre de prendre un item là, le choc. Sauf que vous avez vu, ce joueur là s'est retrouvé vraiment ragrandi, bah Miko justement, s'est retrouvé ragrandi bien avant moi. Et encore du lag, hein, chez moi j'étais deuxième. Mais enfin bon, une course un peu bizarre. J'aurais pu espérer un peu mieux là quand je me suis chopé ce zap. Ah, toujours un début de course sur Supermarché Coco où je me prends les rambardes au début, décidément. C'est pas trop cool. Je devrais quand même rester beaucoup plus vigilant sur cette partie de jeu. Allez, un bloops, ça c'est super. Ça va vachement m'aider. Ah, il me faut un item. Ça va, j'arrive à prendre l'item devant Sonic. Ah, je cherche pas à comprendre, hein. Je vais activer vite. C'était un monde où les chocs étaient beaucoup spammés. Donc avec un petit peu de réussite, je pourrais peut-être dodger un choc, mais non. Merci Metal Prog, je crois, oui, c'est ça. Metal Prog qui m'a poussé sur le boost. J'en avais besoin, hein. Ah, je me méfie, regardez ce joueur, ce qu'il fait avec ses rouges. C'est vraiment, je vous dis, agressif. Allez, faut pas que je me prenne celle-là. Malgré les bons items que j'ai eus, et on va dire pas trop de fautes dans le run à part là, où je fais un spin drift à l'envers, ça c'est vachement bien joué, Lolo. Je suis quand même septième, j'ai pas des bonnes positions, hein. C'est vraiment. J'ai du mal à rattraper, hein. Ça joue pas trop mal quand même, hein. Cinquième, allez, on me pousse complètement. Regardez un peu ce qui m'arrive. Je me retrouve en septième position. Être obligé d'avoir des bons items maintenant. Le bloops, c'est super. Ça va pas trop m'aider à remonter. Espérons que j'ai un peu mieux pour finir. Dixième position, ça c'est pas mal. Je suis pratiquement dernier. Alors ça c'est pas beau, ça je suis avant-dernier et c'est moi qui ai le choc. Donc autant dire qu'on va essayer de l'utiliser au bon moment, c'est-à-dire maintenant, pour pouvoir combiner. Alors même si j'ai fait dodge quelqu'un, c'est pas grave. Moi en attendant, j'ai réussi à remonter. Et comme si c'était pas assez, un méga, vraiment une course où j'ai été très chanceux des items. Ça va me permettre quand même de finir en troisième position. Et une belle remontée sur une course qui est à la base était pas géniale. Allez, on va finir sur ce petit route arc-en-ciel en 100 cc que j'avais envie de vous montrer. J'avais trouvé sympa. C'est pas la course du siècle. Je jouais en Skype call avec Marc et Johan que vous voyez devant. Étions en Skype call et vous pouvez voir encore ce jeu Rico qui est devant là, que je croise de temps en temps, qui est encore là. Alors je vais vraiment me méfier de lui. Ah, j'étais content d'avoir réussi à refaire à nouveau ce cut là, surtout en 100 cc. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Je vous dis, c'est pas qu'il est compliqué, mais en miroir, je l'ai fait deux fois l'audio et au troisième tour, je suis tombé. En miroir, c'est un petit peu plus compliqué, les repères sont différents. Ah, je me méfie beaucoup ici parce que c'est des endroits où souvent on se fait pousser. D'ailleurs, je vois que je pars un peu dans tous les sens. J'enlève ma verte pour pas faire d'horreur à Marc. Et j'aurais peut-être pas dû, vous allez voir pourquoi. Je vais pas vous spoiler la course. Allez Marc, je sais que on n'est pas en TP, ce
qu'on peut appeler TP, on essaye tout simplement de pas se faire de vacherie et de jouer nos items, Donc ça, c'est pas jouer TP. Le jouer TP, c'est par exemple jouer vraiment en équipe, laisser passer quelqu'un pour rouger l'autre ou pour envoyer la bleue, ou alors attendre qu'il y ait un des joueurs qui ait le choc pour utiliser une étoile et dodger un choc. Ça, c'est du TP comme quand on fait un interteam. Là, non, on joue tout simplement ce qu'on appelle propre, poli, quoi. On essaye de pas se faire d'horreur. Alors Marc, vous avez vu, il a balancé son fake en l'air en avant. Pour pas, il aurait pu très, si on n'avait pas joué de cette manière, il aurait pu me le poser à un endroit qui m'aurait peut-être beaucoup pénalisé. Attendons, je regarde un peu qui est derrière, je sais pas, est-ce que c'est Rico, est-ce que c'est Johan, j'en sais rien. Je suppose que c'est Rico, donc je vais quand même poser un peu des pièges. Voilà. Et regardez bien ce pot qui arrive au plus mauvais moment pour Marc. Puisque du coup, il va se faire... il va tomber. Et vous avez vu comme c'est bizarre. Hein. C'est vraiment heureusement qu'il y avait le canon pour dodger cette bleue. Sinon, elle était pour moi. Alors un choc, ça m'arrange pas. Je vais être quand même ragrandi beaucoup plus tard que Marc. Et le pot là, pareil, un endroit vraiment qui a failli me target. Je suis encore en tête. Et regardez ce petit champi là. Ce petit champi que Marc prend. Et du coup, il me fait tomber et me fait perdre une place. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je n'en veux absolument pas à Rico, à Marc. Et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.